qui a une habitude sur le champ de bataille, lorsque nous avons des morts, que nous n'avons pas le temps de nous occuper des morts, on enterre les corps, on utilise des baïonnettes des soldats pour délimiter des tombes et des fosses communes. Ça veut dire que les soldats sont déjà morts, ils ne sont pas enterrés vivants. Mais par côté patriotique, vous imaginez, côté justement défense de la terre. Alors, bienvenue à l'intérieur du fort de Douaumont. Alors, je vais aller très très vite, il ne se rend pas compte, et hop là, un trou de 17 mètres. Mais vous en verrez un, au milieu, 39 mètres de profondeur. 39. Il dort, c'est normal. Ils n'ont pas inventé la machine à courber la banane. Alors, ici, je vous montre une plaque d'un obus de 420 mm, qui fait 956 kg. 30 soldats allemands ont été tués. Je vous explique. Du 25 février au 24 octobre, les Allemands sont dans le fort. Donc quand les obus tombent, c'est eux qui se les prennent. À partir du 24 octobre, quand les obus tombent, c'est l'armée française qui se les prend. Sont les dortoirs. Il fallait prévoir une dizaine de dortoirs comme celui-ci sur toute la longueur pour que les soldats dorment. Deux soldats en haut, deux soldats en bas. Inflammation plus explosion des lance-flammes et explosion de petits obus allemands. Cette triple explosion à l'intérieur du fort va entraîner plus de 800 morts sur 2200 soldats allemands qui étaient présents. Là, les choses qui étaient en bois à l'origine, ils ont tout refait en béton. Pourquoi? Parce que la moitié de la galerie servait de stockage pour les munitions, et normalement, il n'y a que les magasins à munitions, les magasins à poudre, qui doivent recevoir les munitions. Ils avaient une sorte de béton à l'arrière, ils pouvaient amener le béton sous forme de plaque, et ils faisaient du béton frais sur plaque. Et vous faire quand même traverser la plongée, même s'il n'y a plus qu'un jour à la cuillère à bois, ça veut dire que c'est la citadelle de Dakar aujourd'hui. 3 jours à son par jour, 3 minutes sur la place. Je vous prie
À Bruxelles, on est à Riga. Hein? Merci dat er komt zit en op next jour op onze nieuwe tour. Merci. Merci.